Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Prince of Persia, les sables oubliés, donc pour l'épisode 4. Donc la dernière fois on s'était arrêté au terme. Donc on avait rejoint notre frère, sauf que monsieur ne voulait pas nous donner sa partie de médaillon, puisqu'il a un petit peu possédé entre guillemets par le pouvoir. Et vu que nous on voulait pas non plus lui donner le médaillon, bah lui croit sûrement aussi qu'on s'intéresse au pouvoir, donc du coup les hostilités sont de mise et on s'est de nouveau séparés. Mais notre objectif reste le même. Donc là du coup on se retrouve au terme et on a récupéré il y a très peu de temps un nouveau pouvoir qui permet justement de contrôler l'eau avec la touche L2, voilà. Qui permet de rendre l'eau solide. Donc du coup les jets d'eau permettent de s'en servir comme des barres et puis ou les chutes d'eau permettent de servir comme des murs d'appui, etc. Donc on va appuyer sur ce bouton, on sait pas à quoi il sert. Alors ça fait couler de l'eau, oui. Sûrement pouvoir m'en servir avec la barre. Hop, voilà. Ça sent la laine de chacal, tout ça. Allez, c'est parti. Donc, en même temps, je vous laisse profiter des très jolis décors, parce que cette salle-là est vraiment très réussie pour le coup. Mangez-moi ça. Là ça commence à être assez peuplé, hein. Il y aura pas mal de zones comme ça où... Merde, c'est pas ce que je voulais dire. Il y aura pas mal d'ennemis comme ça à péter. Allez, on crame toutes ces bestioles. Bref, Charo, il y en a un paquet, hein. Ils n'arrêtent pas d'en faire respawn. Je vais essayer de le buter celui-là. D'ailleurs, il arrêtait pas de m'envoyer balader, mais là. Viens décider à le crever. Tiens, lève-toi le mur. Je vais m'en sortir. Voilà. Et mais putain, il y avait du monde. Hein, quand même. Je sais pas combien on en a buté en tout, mais. Ce qui est bien du coup, c'est que vu qu'ils disparaissent directement après qu'on les ait pétés, ça permet d'afficher pas mal d'ennemis à l'écran et d'en faire respawn tout autant. Et ça, c'est du coup, bah, c'est plutôt cool, je trouve. Voilà. Donc la suite, du coup ils ont ouvert cette porte. Alors encore un mécanisme. Tac. Ouais. Ah d'accord, non, non. Parce que je me suis dit, ok, il y a un mur d'eau, mais en seul ça suffit pas. Ça va peut-être en faire un deuxième du coup, voilà. Là on est d'accord, parce que sinon je me suis dit c'est sympa leur mur d'eau, mais en seul ça va pas suffire. Ah merde, ça j'arrive pas. Tac. Ah putain, j'arrive pas. On va attendre de régène. Attends, je pense avoir le bon timing ou je peux pas courir indéfiniment peut-être. Allez, on réessaye. Tac.
Hop, tac. Ah bah ça va, je suis arrivé au bout, c'est vrai. Alors ensuite... faire quoi là? Ah d'accord, j'avais pas vu le rebord péter là. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas de colonne, il n'y a rien. Comment je fais pour aller en face quoi? Mais j'avais pas vu le rebord. Alors là, on connaît déjà. Hop, hop, parfait. Nickel. Malik! Il semble que je ne sois pas le seul à gagner en puissance. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ce type de sorcellerie. Le sceau influence ton esprit. Tu dois mettre un terme à tout ça. Pourquoi m'as-tu demandé ma moitié du médaillon? Veux-tu vraiment chasser l'armée? Ou bien chercherais-tu un moyen de contrôler son pouvoir toi-même? Si tu n'arrêtes pas tout, c'est moi qui le ferai. Donne-moi le médaillon. Non. Ce n'était pas une question. Si tu n'étais pas mon frère, je te ferais exécuter pour trahison! Quitte le palais. Et ne reviens plus. Attends! On ne peut pas dire que ce soit un franc succès. Bon, ça se complique de plus en plus, hein. Mais dans les deux cas, apparemment, son frère est... de trahison. Et tout autant d'accord pour supprimer le... Oula, c'était juste. Comment supprimer je fais cette armée, mais... Je ne le convaincrai jamais de me donner le médaillon. Tout comme nous, on n'a pas de conscience, t'as lui non plus. Et quand deux personnes s'entêtent, bah ça fait que des conneries. Voilà l'exemple parfait. Oula, c'était limite. Ah mais non, mais je vais pas faire ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, j'ai pas tout capté, on a du mal à se repérer, hein. Il y a tellement de flottes qui coulent de partout. Non. Je n'ai jamais suggéré d'utiliser l'armée pour gagner du pouvoir. Donc là, forcément, notre personnage a des doutes. Oh putain, au moment où je saute. Fumier. On va attendre. Tac. Oh, mais décidément. Allez, active-toi. Voilà. C'est bon. On doit trouver un moyen de nous sortir de la tour. Ah merde, putain. Je me suis fail, putain. Je commence à plus avoir beaucoup de pouvoir là, j'ai intérêt à mieux gérer que ça. Parce que quand j'en ai plus, hein. Si je tombe, c'est game over. Donc faut faire attention. Hop, on grimpe, tac, voilà. Ok, alors c'est pas ce que je voulais faire, mais je voulais continuer à grimper, mais apparemment c'était ça la solution. Par contre, je me demande comment j'ai fait pour traverser alors que j'avais stoppé. Mais tant mieux, hein. Sinon ça aurait été un game over. Voilà, ça va. Merde, bon, bah j'ai utilisé le pouvoir, tant pis. Je croyais que j'allais me faire empaler en fait, mais c'est accroché au bord. Allez, c'est parti pour les pièges à la chaîne. Voilà. Ça, c'est des coups à terminer, on s'était caché cette histoire.
Aïe 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 aïe. Ça fait mal, on est quand même passé. Les chambres royales. Pour l'instant, ça fait plus glou-glou que le ronflement. Je voulais faire le bruitage, mais je me suis dit, on va peut-être s'arrêter là en termes de bruitage. Alors là, c'est que de la vie. J'aimerais bien avoir un petit peu de pouvoir, parce que j'en ai plus beaucoup. Ça serait pas mal. Hop. Il y en a un petit peu partout. Voilà, encore une jauge et c'est bon. Alors, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à regarder ici? Oh, mais c'est dommage, on voit pas. On va pas trop s'approcher. Il y a quand même une vue détaillée, hein, mais dommage qu'on peut pas vraiment voir exactement, parce qu'à chaque fois ça change la vue. Alors ici, il faut faire quoi? Ah, attendez, parce que là je comprends pas trop le délire. Je capte pas. Je suis arrivé de là, moi, on est d'accord. Ça, je vois pas ce que j'ai à faire en fait. Là, je stoppe le mur, ok. Mais je peux pas grimper, c'est beaucoup trop. Merde, si je fais du caca comme ça aussi. Attendez. Peut-être si je prends appui sur le mur. Ah mais ah j'avais pas vu. D'accord, je passe devant mais je faisais pas gaffe en fait au bouton qu'il y avait au sol en fait. Ok. Impeccable. Jusque là, ça va. C'était limite, je crois que le jet d'eau, ouais, il est à deux doigts de se barrer. Voilà. Varsan de Soleiman, Hala Entegama Momigiram. Il me prend pour le roi Salomon? T'es gentil mon gars, mais je te connais pas. Bon, moi là on peut voir un petit peu l'environnement, un peu plus en détail. Mais bon, on va pas s'attarder puisque monsieur a l'air de se vénérer un peu pour rien. Il se trompe de personne, mais c'est pas grave. Hop. Et ah, je l'ai fait trop tôt. Je me disais bien, hein, quand j'ai vu le chemin, je me suis dit ça va se casser la gueule. Et je l'ai fait un poil trop tôt. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tac, on se dépêche. Et merde. Voilà. S'il ne me voit pas, il ne peut pas me suivre. Enfin, j'espère. Il espère, mais ça, après, on sait pas. Le truc qui rassure pas trop. Allez, on continue. Ah,
Allez, c'est parti, on va utiliser un peu notre pouvoir là, parce qu'il y a pas mal de monde. Comme ça, on gagne du temps. Voilà, parfait. Voilà, on a fait le plein. Alors, ensuite, ça sert à quoi ce truc? Ah oui, d'accord, il y a deux endroits. Activer. Je sais pas ce que ça va activer, mais on va vite le savoir. Ok. C'est un endroit bonus en fait. Ça c'est fait. Et après. C'est bien beau d'activer ce truc, mais c'est raco. On va pas savoir. Attendez, parce que moi j'arrive de là-bas. Non, bah non, attendez. Et non, moi je suis arrivé d'ici. Donc non, j'ai pas été là-bas en fait. Je croyais que je venais de là-bas au début, mais non, pas du tout. Bah tiens, je vais aller en bas parce qu'il y a des trucs à récupérer. Hop. Voilà, comme ça j'ai le plein de tout. Voilà, parfait. Oh non, pas encore. Mais de toute façon, tu t'as beau parler, mon bonhomme, je comprends pas ta langue, donc ça sert à rien. C'est ça le truc qu'il a zappé, quoi. Ah, ça c'est de l'eau. Tac. Merde. Alors ensuite, ok, on va éviter suicide organisé. C'est quoi le truc sur le rebord hein? Ah d'accord, c'est juste un morceau de porcelaine. Alors, c'est parti. Ah merde, putain, c'est un mur. Non, putain, je l'ai fait trop tôt. Voilà. Toujours une histoire de timing. Je voulais faire. J'appuie en fait sur R1 sans faire exprès. Hein, mais c'est juste... Je laisse souvent le doigt proche de la touche. Bah, des fois, j'appuie un bon intervalle. J'ai le doigt lourd, on va dire. Un petit peu comme le pied lourd quand on accélère trop sur une bagnole. C'est le même principe. Mange-toi ça. Aïe. Ouais, c'est bon, ça va le viol. Putain. Laissez-moi. Je me fais ken. Fumier, crève. Putain, il va crever. Hein. Voilà. Putain, je suis fait gangbang quoi, par deux bonhommes.
que faire? Attendez, parce que... Ah oui, d'accord. Je comprenais pas l'utilité des deux murs, en fait. Voilà. C'est bon. Alors, on va essayer de récupérer un peu de vie, là, parce que j'ai eu quand même super mal avec cette histoire. Ça va pas le faire. Et on est à combien de temps, là? 20 minutes. C'est tout? Bon, ça va. Je croyais que ça passerait plus vite par rapport à l'épisode précédent, mais non. Ça va, ça va. Donc, à mon avis, c'est par là. Tac. Ok. Ensuite. Par là. Tac. Voilà. C'est bon. Marre-toi bien. Profites-en, parce qu'il y a un moment ou un autre, je vais te botter le cul. C'est pas ce que je voulais faire. En fait, j'avais un doute sur le fait qu'il y ait de l'eau en face. Et il y en avait. Ouais, donc là, du coup... Tac. Tac. Ensuite. Donc ça va être en A, je pense. Voilà. Et voilà. Mais où est-ce qu'il va, Malik? Il veut son médaillon. La salle du trône est dans cette direction. Je dois d'abord retrouver Malik. Ah là là, quel frère dévoué. Donc... Alors, où est-ce que ça nous emmène, cette histoire? Parce que là, on enchaîne les niveaux, mais on a à peine le temps de les voir, en fait. Après, c'est de ma faute, c'est moi qui rush, les amis. Enfin, volontairement, mais... C'était... Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, il y a un vieux freeze, hein, je sais pas pourquoi. Merde. Attends, il faut pas que je me fasse ken non plus. Hein. Mais en fait, quand c'est tellement agréable en fait de se déplacer de manière fluide et rapide, que du coup on y prend goût et ben, on rush malgré nous en fait. Allez, c'est reparti pour le fight. Je reprends un peu de vie avant parce que j'ai eu un peu mal tout à l'heure. Allez. Je peux pas leur sauter dessus là, j'aurais bien kiffé. Normalement je crois qu'on peut, mais... Je vais prendre des endroits de la map. Propre, allez au suivant. Alors, ça va vite là. Hein. Dangereuse cette histoire. Ah non, ça va, ça ralentit aussi le mouvement. C'est pas ce que je voulais faire, on a rien vu. Ah non, mais en fait, je dois d'abord faire ça, je pense. Voilà. J'ai voulu aller plus vite que la musique. Voilà. Donc là, pour qu'il y ait la petite lumière, c'est qu'il y a un truc bonus, mais après, où est-il? À moins que c'est là, peut-être à l'extérieur. Ce doit être l'Astrolabe. Malik l'a mentionné dans une lettre. Il est censé prédire l'avenir grâce au mouvement des étoiles. En tout cas, il n'avait pas prédit l'armée.
Alors ça m'a l'air bien compliqué cet instrument. Ok, alors. Parfait. Non. À chaque fois j'appuie sur rond en fait juste pour décrocher, mais je prévois pas qu'il y ait une cinématique derrière. Je comprends rien à leur système là, mais pourquoi pas. Ah, parfait. Maintenant Malik peut me faire tuer pour trahison et pour avoir cassé l'astrolabe. Je pourrais toujours prendre un air innocent. Non, je n'y ai pas touché. Ça doit être l'armée des sables. Un peu plus justifié, à mon avis. Allez, tac. Et ensuite, sûrement en face. Sacrée installation, en tout cas. On attend un petit peu, voilà. Voilà. Merde, d'accord, ok. Ça va, le mec qui décide de se suicider, quoi. Voyons. Plateforme suivante. Voilà, je crois que c'est la bonne. En tout cas, ça a l'air. Ouais, mais il n'y a pas d'eau là. Peut-être ça, je pense. Parce qu'il n'y a pas de flotte du tout là. On va continuer de le faire tourner parce qu'à mon avis, c'était pas la bonne. Ah, mais là non plus. On va continuer de le faire tourner, on va voir. Regarde, c'est pas le bon sens. On recommence. Et comme ça, ça fait quoi? Peut-être là, il y a des espèces de jets d'eau, donc on va essayer de voir ça. Alors, ça fait quoi? Non, ça a pas l'air d'être bon non plus. Moi, perdu. Bon, on va essayer. Là, c'est trop loin aussi. Je crois que j'ai pas le choix, hein. C'est que comme ça, j'ai l'impression. Le problème, c'est que ça mène nulle part après. Là, je sais pas trop pour le coup. Parce que si je retourne là-bas. Bah non, là, je sais pas. Plouf. Merde. Bien. J'appuie sur R2, c'est sûr que ça marche pas. Mais là, je sais pas là. Parce que en face on voit la corniche avec un G et tout, mais je peux pas y accéder à gauche. Par au-dessus, mais là je peux pas de toute façon.
Moi, pas savoir. C'est quand même un truc à la con, je suis sûr. Pour pas changer. Ça tourne en rond là donc à moins qu'on peut escalader ce truc, mais je crois pas hein. Là je suis paumé, mais honnêtement je sais pas comment faire. Je vais essayer là-bas parce que là on pouvait aussi tourner un truc. Ouais. Donc ça je pense que c'est bon, mais faut que je le tourne encore d'un autre côté. On va essayer comme ça, parce que là, du coup, je sais pas. C'est random. Ouais, je pense que ça doit être ça. Si c'est pas ça, je ne vois pas. Donc on va essayer ça. De toute façon, ça va mettre deux plateformes, donc ça peut être que ça, je pense. Voilà, comme ça normalement je pourrais sauter sur les deux. Normalement. Oula, c'était juste. Et après. Quelque chose me dit que ce n'est pas vraiment un moyen de transport. Ouais, j'en doute aussi. Pour le coup. Pour le moment, c'est bon. Ensuite, par là, tac, ok. Alors, on va faire le plein là parce qu'on est un petit peu limite en jauge de pouvoir. Voilà. Tac. Ça va activer quoi du coup? D'accord, donc ça monte un peu d'un niveau. Ok, on a le droit à deux jauges. Ouais, enfin deux jauges, deux mécanismes. Donc ça j'imagine que c'est bon, peut-être l'autre. Ouais. Voilà, là c'est bon. Compliqué cette histoire. L'eau doit sûrement activer le mécanisme. De même pas beaucoup. Ah mais c'est une blague là, c'était bon. Ah ou faut peut-être... ouais, ça doit être ça. Ah mais non, là c'est pas bon. Ah quoique si, c'est peut-être une colonne ça. Ouais. Ok. D'accord, et après... Oh putain, je sens le truc casse-gueule. Je suis que ça tourne dans un autre sens, je sais pas trop... Si c'est ce qu'il fallait faire. Où ça m'emmène ce truc? Putain. Ok. Je
comprends pas grand chose à l'histoire, mais j'avance, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Ok. Bon, j'avais pas trop confiance envers cette machine. Hein. Ce truc random là, j'aime pas trop ça. C'est la salle du trône. Malik ne doit pas être loin. Eh ben, on va voir ça quand on y sera. Merde, la grosse boulette. Grosse boulette encore. Décidément. Heureusement que je suis bon en escalade parce que les escaliers ils connaissent pas trop ici. Voilà, nickel. Nickel chrome. Allez, c'est reparti. Là, on se débarrasse comme d'habitude des petites bestioles. Et après, on passe au suivant. Tiens, mangez-moi ça. Voilà, mange-toi ça. Merci pour le passage. J'ai pris quand même assez cher là, mais je sais pas pourquoi en fait. J'ai pas fait gaffe à ma vie. Je l'ai pas vu s'en aller. Alors, il y a encore 10 000 pièges en dessous là. Putain, j'aimerais pas vivre là-bas quand même, hein, parce que putain. Il suffit qu'il y a un bug dans le système de pièges et que tu crèves, quoi. La mort débile. Ça serait assez risqué quand même. Et merde. Mauvais timing. Oh putain, hein, décidément. Voilà. Tac. Voilà. Putain, il y en a encore. Oh là là. Cette salle du trône. Peut-être dans les parages. Il faut que je trouve Malik. Peut-être pas tarder à le trouver, notre collègue. Notre frère d'armes. On fait qu'à sa tête. Oh
Voilà, je fais le plein parce que ça sent gros fight là. Voilà. Allez, il a besoin de notre aide, enfin du moins c'est ce qu'on pense. Donc on va l'aider, si j'y arrive. Voilà. Tac. Ah ouais, non, on peut pas passer par là, ouais. Je comprends mieux le rideau à droite. Mais non, j'ai pas ça. Voyons. Hop. Allez, on est au bout. On arrive. C'est parti. Et il a pris cher là. Mange-toi ça dans la gueule. Ah, putain, ça lui fait pas de dégâts, il est trop long. Oh, fumier. Ah, salopin. Bon, on va l'enchaîner comme ça, ça va être plus simple. Là, il pourra plus marcher, il aura tellement les pattes saillantes. Putain, l'épée fatale quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une arme, toi. Ok, bon bah allons-y. Hein. J'aurais bien pris son épée, mais elle est un peu grande, donc je pense qu'on va éviter. Allez, je me mague parce que lui il est en train de tirer dessus. Ah merde, putain, j'avais pas prévu qu'il y aurait de l'eau, Maurice. Ah mais stop, ça va. Le retour en arrière est mort. On perd pas de temps ici, hein. J'aurais bien pris de la vie, mais si jamais. Ici encore. Ah, enfoiré. Ah, le fumier, il fuit. Malin, malin. Bah, du coup, j'en profite un peu. J'ai eu là du coup. Ah d'accord. J'ai eu. Non. J'arrive. Putain, le fumier. C'est reparti. Nique
nettoyage de masse. Bouge-toi la tornade au corps à corps. Là tu kiffes, mon gars. Allez, mange-toi ça dans la gueule. Là, il kiffe la chose. Et voilà, on a comme qui dirait un problème. oui. Bon, on sait pas trop ce qui lui arrive pour le moment, mais on se dit bien que ça lui a pas du tout fait du bien d'absorber un monstre aussi énorme. Parce que lui, forcément, il est pas protégé comme nous par le djinn. Donc du coup, on est dans le caca pour la suite, sûrement. Je sais plus exactement d'ailleurs comment ça se déroule la suite, donc c'est une redécouverte en même temps pour moi. Donc du coup, bah, on va s'arrêter là, puisque là on a combien de temps? Ouais, 47 minutes, donc ça fait déjà une bonne vidéo. Donc en espérant que cette quatrième partie vous a plu, et puis bah, je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !